Madagascar et l'île de la Réunion, deux îles francophones de l'océan Indien. De cultures différentes, ces deux îles pourtant se ressemblent étrangement sur leurs faits de délinquance. Alcool, vol, conflit à l'arme blanche, les patrouilles de ces deux îles éloignées d'une centaine de kilomètres seulement doivent répondre le plus rapidement possible à ces fléaux. Des unités d'intervention spéciales sont sur tous les fronts pour lutter au quotidien contre cette délinquance de tous les jours qui pourrissent la carte idyllique de ces îles de l'océan Indien. Sur l'île de la Réunion, c'est le week-end. L'heure est à la détente. À l'ouest de l'île, Saint-Paul. La commune regroupe les endroits les plus festifs de l'île. Saint-Paul accueille près de 100 000 habitants. C'est ici, sur le long des plages de l'Ermitage et de Saint-Gilles, que les Réunionnais viennent faire la fête, danser et boire. Dans la brigade de Saint-Paul, une unité spéciale, le PSIG. Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Ils se préparent à patrouiller. Toutes les nuits, ils sont chargés d'éviter les débordements. Pour cela, ils sont particulièrement bien équipés. Oui, on a le propre chargeur, propre en dotation. On a 25 cartouches et puis une arme 9 mm que tu vois ici. Puis c'est un bâton de protection et une paire de menottes. Donc ça, à chaque fois, c'est perso ? C'est perso, oui. Il y a un numéro. Un numéro sur l'arme qui correspond à un gendarme. David est chef d'unité et ce soir, il sait que la problématique majeure sera liée aux sorties festives et à l'alcool. Au bout de quelques minutes, devant la voiture des gendarmes, un véhicule change subitement de direction. Un comportement suspect pour les gendarmes. La voiture qui est devant, c'est une CATI Nissan. Ça, monsieur, je vais monter le véhicule. Deux contacts. Bonsoir, gendarmerie. Je vais vous faire une mission, monsieur. Alors, le permis de conduire. Le conducteur a ses papiers, il est en règle. Mais à cette heure-ci, les contrôles sont toujours accompagnés d'un test d'alcoolémie. Et monsieur, vous soufflez, s'il vous plaît. Positif. La voiture est immédiatement immobilisée. L'homme ne pourra plus prendre le volant ce soir. On l'a contrôlé parce qu'il a fait demi-tour à notre vue. Et là, on va à la gendarmerie pour vérifier le taux d'alcoolémie. Si c'est contraventionnel, c'est entre 0,25 et 0,39. Au-delà, c'est délictuel. Là, c'est tolérance zéro sur l'alcool. Bien sûr. Bien sûr, et tout ce qui se passe en ce moment, avec tous les accidents mortels, corporels qu'il y a à La Réunion, on peut pas laisser faire. C'est impossible. L'éthylotest révèle qu'il est positif. Il va sur le champ être emmené à la brigade pour mesurer le taux exact d'alcool dans le sang. Tiens, c'est à où, derrière, à gauche, là-bas. En France, le taux limite est de 0,5 g d'alcool dans le sang. Ici, le conducteur est non seulement au-dessus, mais après plusieurs relevés, son taux grimpe. Il est au-dessus des 0,8 g d'alcool dans le sang. C'est un délit. Après vérification, il a déjà un retrait de permis pour conduite en état d'ivresse. C'est un récidiviste. Il passera sa nuit en garde à vue. À La Réunion, c'est tolérance zéro pour l'alcool au volant. Ici, on dénombre 60 accidents par mois, dont 6 mortels. Le problème de l'alcool à La Réunion est un tel fléau que de grosses opérations sont menées régulièrement. Ce soir, dans le sud de l'île, c'est barrage éthylotest. Mettez-vous au-dessus, tournez à droite au-dessus de la voiture. Au milieu de la route, les gendarmes font souffler les conducteurs. Dès que le test est positif, ils sont arrêtés sur le bas-côté. Alors vous allez me présenter le permis, la carte de vie, l'assurance du véhicule, monsieur. Parce que là, vous êtes positif. Le test est positif. Le conducteur va devoir maintenant souffler dans l'appareil qui donne le taux exact d'alcool par litre d'air expiré.
Cette fois-ci, il est directement à disposition dans la camionnette des gendarmes. Voilà, c'est très bien. Merci. 0,41. Si vous étiez passé en dessous des 0,40, ça aurait été une contravention. Mais là, ça reste un délit. 0,41, soit 0,82 g d'alcool dans le sang. Le gendarme va retirer sur le champ le permis de conduire du conducteur alcoolisé en attendant le verdict du juge. Alors pour le monsieur, donc, son véhicule était immobilisé sur les lieux du contrôle. Il a appelé une autre personne pour venir chercher ce véhicule. Pour lui, ben, donc, nous l'avons convoqué pour une audition intérieure. Et donc bien sûr, il aura au bout des 72 heures, il aura le résultat de la sous-préfecture. Un avis de suspension sera tombé. En 1h30 de contrôle, la gendarmerie a fait souffler 300 conducteurs. Une opération coup de poing pour montrer la tolérance zéro des forces de l'ordre. C'est bon, bonne soirée, au revoir. Tananarive, capitale de Madagascar, la ville aux mille collines. Avec ses 1 600 000 habitants, la ville est la capitale politique et économique du pays. Située en plein milieu de l'île, les rois ont choisi le lieu pour l'abondance des marécages permettant la culture du riz. Aujourd'hui, la ville grouille de monde et de marché. Avec eux, la délinquance du quotidien. Et quand la nuit tombe sur la ville de Tananarive, les patrouilles redoublent d'attention. Au commissariat central, on se prépare à une sortie bien spéciale. Ce soir, c'est le vendredi magnifique, le soir où les Malgaches sortent et boivent. On va faire la fermeture des débits de boissons dans le quartier d'Ambopo. Le commandant Herman est en charge de la police urbaine. Pour la soirée, c'est lui qui va faire respecter la loi. Il est 20h30 et dans une demi-heure, tous les bars doivent être fermés. C'est surtout pour prévenir les risques de violence engendrés par l'abus d'alcool. Donc en fait, on va commencer par aller dans le quartier des bars et limiter les consommations. On va fermer assez tôt tous les débits de boissons pour que justement les gens un peu bourrés n'aillent pas se bagarrer, cambrioler ou faire autre chose. C'est ça qu'on fait ce soir. Et pour faire respecter la loi, la police de Tananarive ne lésine pas sur les moyens. La descente de police se fait avec toute une escouade. Le vendredi, il y a beaucoup de sorties. Il y a beaucoup de gens, du coup, on a besoin de beaucoup d'effectifs pour pouvoir contenir des éventuels débordements. Au total, près d'une vingtaine d'hommes aux ordres et aux pas vont quadriller la rue. Dès le premier bar, apparemment fermé, ils vont faire mouche. Ils frappent comme ça parce qu'ils font semblant d'être fermés, mais il y a certainement des gens à l'intérieur. Ce n'est plus l'heure de boire. Allez boire dans votre chambre, pas ici. Ici, le bar est plein à craquer et les cadavres de bouteilles démontrent que les clients se cachent bien pour continuer à boire de l'alcool, au-delà de leur autorisé. Le chef de section va convoquer le tenancier du bar. Demain matin à 8h, dans mon bureau. Et à chaque bar qu'ils vont contrôler dans cette rue, c'est le même scénario. En principe, l'heure légale, c'est à 21h à Madagascar, prévue par l'arrêté municipal. Donc, même à la barre ou à la voie publique, c'est interdit de vendre ou de consommer des boissons alcooliques. Vu le nombre de contrevenants, l'important dispositif de la police urbaine est indispensable pour éviter les débordements. Au moindre incident, il recadre immédiatement. Justement, le commandant Herman vient d'entendre des insultes. C'est toi qui nous as insultés ? Tu te prends pour un dur ? Tu me défies ? Fais attention, ne me provoque pas.
Tu me prends pour un caïd? Je vais t'embarquer, tu vas voir. Vu la tournure de la situation, un ami vient même à la rescousse du mis en cause. Non, monsieur le commissaire, ne l'embarquez pas. Excusez-le, s'il vous plaît. Tout le monde arrête. Vous n'avez pas le droit de boire dans la rue. Qui vous a vendu ces boissons-là? Dernière fois, je vous le dis, rentrez chez vous. Plus tard dans la soirée, c'est carrément à l'étage d'un bar que les policiers découvrent une boîte de nuit avec alcool à volonté. Le tenancier du bar va essayer de donner des explications tant bien que mal. Et jusqu'à quelle heure vous avez le droit d'ouvrir? Normalement, c'est 10h. 10h? Ouais, 10h du soir, hein, c'est pas 10h du matin. Ah ouais? Mais là, il est minuit et demi. Si, mais parce que l'association, il y a des associations qui viennent d'ici aujourd'hui. Ils viennent de, je ne sais pas où sont, qu'il avait donc son ambiance. Ils viennent d'ici, donc il a dit que ben, il va demander donc pour s'amuser ici encore. Parce qu'ils ont amené donc ces, comment là, ces boissons. Vous les autorisez alors que vous n'avez plus le droit de faire ça? Si, oui, oui. Vous avez le droit? Non, 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 on n'avait pas de droit, mais juste. Il y a longtemps que pourquoi j'ai dit. Pourquoi ne pas fermer la porte et tout ça? Si, j'ai déjà fermé. C'est pour cela que j'ai dit à les gens que vaut mieux que vous parlez parce que maintenant c'est déjà 10h15. C'est pas ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais le propriétaire ne sera même pas capable de présenter son autorisation de boisson alcoolisée. Alors, il est sur le champ emmené au commissariat central. Une fois arrivé, le chef de section va consigner l'identité du patron de bar. Et lui, on va mettre au violon. On le met en garde à vue. Le violon, c'est le terme utilisé à Madagascar pour désigner les cellules de détention. Le patron du bar va passer sa nuit ici en attendant qu'un de ses proches amène l'autorisation de débit de boisson aux policiers. Sur l'île de la Réunion, la soirée du samedi soir continue. Nous sommes avec les gendarmes mobiles, une unité venue de France métropolitaine pour renforcer pendant les mois d'été celle de David. La nuit, les unités d'intervention patrouillent le long des plages. Les fêtards du week-end s'y retrouvent alcoolisés et les pickpockets ne sont pas loin. Okay. Allez, messieurs, bonne soirée. Allez, bonsoir. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Alors, dès qu'ils croisent des personnes en vélo sans feu de signalisation, c'est le contrôle immédiat. Vous avez des pièces d'identité sur vous? Non. Rien du tout? Non. Ni l'un ni l'autre? Vous connaissez tous les deux ou pas? Oui, on est des potes. Ouais, ok. Bah, vous allez donner votre identité à mon collègue. Bon, je vais faire un petit contrôle d'identité. Ouais, c'est moi, c'est l'adjudant. Tu peux me passer deux personnes au fichier, s'il te plaît, FPR? Après vérification auprès de la centrale, pas de problème pour ces deux jeunes hommes. Ils ne sont ni fichés, ni recherchés. Ok, ça marche, je te remercie. Allez, merci plus. C'est deux jeunes qui se promènent à vélo le soir sans éclairage. Donc c'est le motif du contrôle. Et ensuite, on s'est arrêté parce qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent faire des vols à la roulotte. Ils tapent les véhicules, ils repartent en vélo et ils repartent sur Saint-Gilles après. Donc là, comme ils avaient des sacoches, ils pouvaient cacher éventuellement un objet pour casser les vitres. En effet, les vols à la roulotte, autrement dit les vols dans les véhicules, sévissent depuis quelques temps. Alors les gendarmes sont vigilants sur toute attitude suspecte autour des plages. Est-ce que vous voulez regarder, oui? Ouvrez. Ils n'ont pas trouvé de brise-vitre sur les deux jeunes cyclistes, mais ils vont faire une autre découverte. C'est quoi? Stup? Ouais. Vous avez quoi, un joint dedans? C'est pourquoi? Pour faire la fête? Le jeune homme a des joints sur lui, c'est-à-dire de la prête à être fumée. Vous l'avez acheté où? Un camarade? Vous le connaissez? Il s'appelle comment? Vous pouvez pas me le dire? On a trouvé deux petits joints qu'on va sûrement détruire parce que de toute façon on ne fera pas la procédure pour deux joints. Donc, destruction, comme d'habitude. Donc évitez de venir avec ça. Sur le secteur, vous êtes connu déjà pour des stupéfiants. Vous êtes déjà connu pour des stupéfiants, non? Non? C'est tête à la brigade un peu. Bon, ok.
Donc là, vous allez rejoindre des amis ou pas? Non. Donc, passez une soirée tranquille. Passez une soirée tranquille, comprenez? Tenez-vous tranquille. On vous a repéré. Bonne soirée. Les contrôles permettent de faire surtout de la prévention sur les vols à la roulotte, mais aussi sur les stupéfiants. Si on va dire c'est local, c'est ici, c'est le Zamal, c'est ce qu'on appelle le Zamal. C'est l'équivalent du cannabis ou de la beuh ou de l'herbe qu'on a chez nous. Et régulièrement, on en retrouve régulièrement. C'est vraiment là, quand on trouve deux joints, c'est une petite quantité. C'est vraiment une petite quantité. Mais oui, c'est régulier qu'on en trouve. Et il y a beaucoup de consommateurs. Ouais. Pratiquement un joint sur deux fume, quoi. Mais un peu plus loin, c'est une autre surprise qui attend les gendarmes, et pas des moindres. Vas-y, va voir. Il est à poil, vas-y. Il est à poil. Cours. Ah oui, il va se bagarrer. Top. Non, c'est... Ouais. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ok. Ils m'ont pris ma serviette. Qui? Qui c'est les coupables? Non, mais il n'y a pas de problème, mais là, il y a des enfants quand même qui se promènent. Celle-là, vous courez nu. Vous voyez, regardez les enfants, ça les attire derrière. Je suis vraiment désolé. Ils m'ont piqué ma serviette, ils voulaient faire un mauvais pas, ils savaient pas qu'il y avait des enfants. Voilà, on pouvait juste. Ça, vous pouvez faire ça quand vous êtes seul, mais pas quand il y a des gamins. Ok. J'ai couru ma serviette. Donc, à éviter. Non, ça me gêne aussi. Allez. Merci, bonne soirée. Allez, bonsoir. Bonne soirée. Évitez, hein. Plus de peur que de mal. Ce n'est pas un exhibitionniste qui voulait s'en prendre à de jeunes enfants, mais simplement un jeune homme, victime d'une bonne blague de ses copains. On n'avait pas eu ça encore. C'est plutôt cocasse. C'est plutôt, ouais. Ah, mais on s'attend à tout le samedi soir ici. C'est varié, en fait. Mais un coureur nu, c'est vrai que... Coureur nu, c'est la première fois. Devant la voiture, en plus. À Tananarive, c'est la fin de la soirée. Avec l'alcool, les désinhibitions excessives amènent à des dérapages irréversibles. Le commandant Herman est appelé sur un cas qui, souvent, reste sous silence. Il y a des hommes qui ont une fille du côté du chemin de fer à Calibao. Ils ont été appréhendés par le voisinage et on va voir ce qui se passe. Le commandant rejoint l'une de ses unités déjà sur place. Elle lui donne le premier compte-rendu et lui indique que le est aux mains des militaires et que pour l'instant, ils ne veulent pas le donner à la police. En principe, ils ne vont pas le retenir longtemps. Les militaires vont juste procéder à l'identification et ils vont nous l'envoyer demain matin au plus tard. Racontez-nous ce qui vous est arrivé, mademoiselle. Ils étaient deux. Moi, je venais boire un verre près du bar. Je suis passée par la Maison Blanche, là-bas, à côté du magasin de meubles. Puis après, j'ai voulu couper par le chemin de fer. Et là, on m'a tiré vers le coin sombre. J'ai essayé de crier, mais j'avais un couteau sous la gorge. Et chaque fois que j'essayais de crier, il me l'enfonçait un peu plus. Le commandant Herman prend beaucoup de temps pour écouter la victime, car rares sont les femmes qui osent dénoncer ce genre de violence. Il y en a qui dénoncent et il y en a qui ne dénoncent pas. Par peur de représailles ou simplement parce que c'est la honte aussi de se faire violer. Et c'est pour ça que parfois c'est enregistré auprès de notre service et parfois ça passe inaperçu. Le commandant Herman est convaincu que ce genre de débordement est encore lié à la suralcoolisation. C'est pour ça qu'on procède aux fermetures des débits de boissons. Parce que voilà, après avoir bu un coup, ils sont excités et... On va vous ramener, mademoiselle. Mettez-vous plutôt dans le minibus. Eh les gars, mettez plutôt la demoiselle dans le minibus. On va emmener la jeune femme violée au commissariat pour la remettre à la brigade des mœurs.
et au service de protection des mineurs. Notre intervention s'arrête là et eux vont continuer l'enquête. Mais la soirée n'est pas finie pour le commandant et le pire reste à venir. On a reçu un appel de police secours qui a signalé une attaque à domicile. Apparemment, il y a deux victimes, dont une poignardée dans le cou. Donc là, on va voir ce qui s'est passé avec la brigade criminelle. On va voir ce qu'on va faire. Établir un plan d'action. Le meurtre vient tout juste de se produire. Il a eu lieu au troisième étage d'un immeuble résidentiel, en plein centre-ville. Dès le rez-de-chaussée, des traces de sang, certainement celles laissées par l'assassin en fuite. Devant la scène de crime, le commandant Herman retrouve Liv, le chef de l'unité d'intervention rapide. C'est quand même assez violent comme attaque, parce que je vois quand même il y a plus ou moins une vingtaine de coups de couteau. Donc c'est quand même assez violent. Le commandant Herman se rend sur le toit à la recherche des assassins. Donc à partir de là, il y a une trace de sang. Des traces de sang également sur le toit. Cela signifie que les assassins étaient au moins deux et qu'ils ont fui par deux endroits différents. Je crois que c'est l'arme qui a servi à poignarder la victime. Qu'est-ce qu'il cherche là ? Le couteau, l'arme du crime. Mais le commandant Herman ne trouvera pas de couteau ensanglanté ce soir. Sur la scène de crime, la brigade criminelle est déjà en train de faire tous ses relevés. Bon, on n'est pas encore sûr. On ne peut pas confirmer si c'est une attaque ou un règlement de compte. Non, mais c'est carrément un meurtre avec préméditation. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé là. Il n'y avait rien de volé. Tous ces objets de valeur étaient encore là. Je suis sûr de moi. Rien n'a été pris. Cet homme est le frère de la victime. Pour lui, aucun doute, c'est un règlement de compte. Après enquête, sa thèse se confirmera. Un différend familial lié à un héritage est à l'origine de ce drame. Les enquêteurs n'auront pas de mal à retrouver les meurtriers. Gendarmerie de Saint-Gilles à La Réunion. C'est la fin du week-end et l'équipe du brigadier Alexandre prend son tour de patrouille. Allez, zou. À peine embarqué, il reçoit déjà un appel. Sur la plage, il y aurait un conflit familial avec menace à l'arme blanche. On repart donc sur le choc à bleu. Est-ce que tu peux donner plus d'éléments ? Ouais, donc il y a un témoin qui nous signale que l'individu qui avait été menaçant avec le couteau est revenu sur plage. Ça se passe pas à la plage en contrebas du choc à bleu. Donc il était vêtu d'un pantalon bleu marine avec une chemise bleue avec manches courtes. Donc les affronts ont été donnés ainsi que les coordonnées de la témoin. Oui, donc le témoin nous attend sur place alors aussi. Affirmatif, la dame se trouve sur place. L'alcool, les conflits conjugaux, les violences à l'arme blanche. Voilà de véritables fléaux que connaît l'île de La Réunion. Il y a quelques mois, une vieille dame a été découpée en morceaux par un individu inconnu des services de police. Quelques jours plus tard, les gendarmes ont dû procéder à une interpellation musclée pour arrêter le meurtrier. Alors, quand il y a la moindre menace, la gendarmerie la prend très au sérieux. Ouais, c'est un peu l'heure, ouais. C'est l'alcool là, qui parle. Hein. C'est bien souvent les rassemblements de famille et puis on va dire les divergences qui ressortent quoi, entre familles. Quoi qu'il arrive, le week-end, c'est alcool et bagarre. Quoi. Ouais, c'est bien pris. On arrive sur les lieux. Sur place, Alexandre rejoint une autre équipe, celle du DSI, le détachement spécial d'intervention. Elle a déjà recueilli les premiers éléments de la situation. Quand il vient, il fait des allers-retours et les menaces. Il menace tout le monde en fait, c'est... Apparemment, il y a un autre groupe là qui m'a donné la description donc...
Un peu plus loin, un des témoins signale que l'agresseur serait encore dans le coin. Vous ne l'avez pas trouvé? Malheureusement. Pas pour l'instant, il était assis là, je pense qu'il a entendu et il s'est barré. Il est à pied, il n'a pas de voiture. Non. Cette femme a été témoin de toute la scène quand la dispute a éclaté entre les conjoints. Elle confirme la violence de l'individu. Son fils a même été pris à partie. Tu sais que la femme, elle est courue parce que mon fils a pris le bébé, parce que... Voilà. On dirait qu'il n'était pas d'accord que mon fils a pris le bébé dans la main de la femme. Il a cherché la bagarre avec mon fils. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Désolé, peut-être vous avez été croisé sur la route. On va voir. Il est insaisissable, là, le... Bah, disons qu'il, dès qu'il sait qu'on arrive, bah, il repart. Hein, et puis là, c'est facile de prendre n'importe quel chemin et de se cacher. Hein, donc on va rester sur zone et puis on va voir un peu si on peut le trouver. Bon, a priori, c'est une famille connue, hein, donc on n'aurait pas de mal à identifier s'il y a besoin. Quoi. Alexandre et sa patrouille quadrillent la zone et font un tour de ronde pour vérifier si l'individu s'y trouve encore. Ça va? Ça va bien? Ça va? Oui, très bien. Eh bien, faut rentrer, là. Très vite, il tombe sur un individu correspondant au descriptif. Tu viens nous voir ? Merci pour votre présence. Fais un peu de situation. Circule un peu. S'il vous plaît, on va aller un peu par là-bas. Avancez par là. Bien sûr, monsieur. Où est-ce que vous habitez ? Moi, j'ai décidé de quitter ma maison. Avancez juste là. J'ai décidé d'être STF. Et vous habitez où, sinon ? J'habite là, sur la plage. D'accord. Vous pouvez me montrer ce qu'il y a dans le sac, s'il vous plaît. Mais il n'y a rien. Je veux juste voir. Je ne suis pas illicite. On fait une vérification, monsieur. Vérifiez, monsieur. Vous me montrez ? Non, mais vous êtes des fonctionnaires. Vous pouvez ouvrir. Vous m'autorisez à regarder ? Mais oui, je vous autorise. Bon, on cherche un homme avec un couteau. Visiblement, c'est pas vous. Ah, mais c'est la deuxième fois. Bien, parce que vous lui correspondez un petit peu, mais visiblement, il manque des éléments. Je suis un vilain, c'est tout. Non, non, c'est pas ça. Tenez. Eh bien, reprenez le cours de votre soirée. Je remercie les fonctionnaires et les militaires d'être là sur place et me protéger. J'ai l'impression que c'est la mascotte de la plage. L'individu qu'on a contrôlé, elle lui ressemblait un petit peu à la description, mais c'est celui qu'on a contrôlé déjà il y a une heure auparavant. Et donc, c'est pas celui qu'on recherche. Ce soir, le mari recherché ne sera pas retrouvé, mais grâce aux témoins, son nom et son adresse ont pu être identifiés. Le lendemain, il aura un rappel à la loi et sera prévenu. Il est sous l'œil de la gendarmerie. Retour au commissariat central de Tananarive. Liv est le chef de l'unité de l'UIR, l'unité d'intervention rapide. Dans son pick-up, une dizaine d'hommes avec lui. Il part en patrouille sur les interventions qui peuvent vite dégénérer. Attaque à main armée, conflit à l'arme blanche ou conflit violent. Son premier appel ne se fait pas attendre. Là, on a reçu un appel signalant un problème dans le quartier d'Antutapena. Apparemment, il s'agit d'un conflit sur des questions d'électricité et ça commence à être un peu agité. Il y a des lancers de pierres, on va aller voir tout ça. Le conflit a eu lieu dans un bidonville à côté du marché. C'est un vrai labyrinthe. Mais très vite, Liv trouve son chemin et rencontre la victime. C'est par cette fenêtre qu'ils nous ont harcelés. Ils ont frappé cette fenêtre et puis il y avait ma femme qui était là. Et quand ils ne m'ont pas trouvé, ils ont menacé ma femme de me chercher. Et ils ont menacé de me tuer aussi. C'est les gens derrière qui ont un problème avec nous, vous voyez. La maison en haut là. C'est dans cette maison-là qu'ils habitent. Les agresseurs présumés jouent au chat et à la souris avec la victime et disparaissent dès que l'homme de la famille arrive. Les agresseurs sont insaisissables. Alors Liv donne son téléphone portable à la victime pour revenir aussitôt en cas d'une nouvelle agression et reprend sa patrouille. Mais à peine parti, Liv apprend par téléphone que les agresseurs sont revenus et ont continué à lancer des pierres. Alors, pour éviter qu'ils ne s'échappent une seconde fois, Liv poste sa deuxième patrouille à la sortie du bidonville. Et lui va passer par l'entrée. Ainsi, ils vont prendre les malfaiteurs en étau. Apparemment, c'est juste à côté de la maison.
Oui, effectivement, c'est à côté de la maison. Allez, on va les interpeller de l'autre côté. On approche du pont. Reçu 10 sur 10. Nous sommes bientôt à l'entrée du quartier. La victime a repéré d'où les jets de pierre provenaient. Sans se démonter, il va directement chercher les agresseurs dans leur planque. À la surprise des policiers, parmi les agresseurs, une mère de famille avec un enfant en bas âge. Puis, une autre femme. Et enfin, un homme. Où est le père de l'enfant ? Hey, je vous parle, madame. Où est le père de l'enfant ? Le père ? Je ne sais pas où il est. Oui, ils étaient trois, et il y en a deux qui se sont enfuis. Mais là, ils vont revenir se venger. Là, ils m'ont menacé de mort et d'envoyer mon cadavre à Kilehar. Et elle, elle a menacé de taillader le visage de ma femme. Les agresseurs sont formellement identifiés. Ils vont maintenant devoir s'expliquer au commissariat, en garde à vue. Liv arrête l'homme et la femme, mais pas la jeune maman. Là, j'ai pas interpellé la dame avec son enfant parce qu'au regard des droits de l'homme, c'est quand même assez délicat d'amener une mère avec son enfant, une mère qui allait. Même si on sait très bien que les voisins l'ont dénoncé comme faisant partie des agresseurs, on verra bien par rapport à l'enquête et si nécessaire, après on reviendra l'appréhender. Arrivés au commissariat, les agresseurs sont de moins en moins fiers. La jeune femme semble réaliser ce qu'elle a fait et se met discrètement à craquer. À l'étage, tout va être consigné dans un dossier. Les faits, les noms et la plainte de la victime. Ici, les policiers ne laissent pas passer la moindre intimidation. C'est un vrai problème de fond dans l'île. Alors ils prennent ces cas très au sérieux pour éviter que s'installe la loi du plus fort. À La Réunion, à l'ouest, la ville du port est l'une des plus défavorisées de l'île. Les jeunes délinquants des quartiers difficiles se rendent régulièrement dans les hauteurs plus aisées pour commettre leur larcin. Hier matin a eu lieu un vol opportuniste dans un bureau dont la porte était restée entrouverte. Les gendarmes viennent d'être saisis de l'affaire. Vous prenez vos véhicules ou pas ? Allez, vamos. Alors, nous avons plusieurs chèques, des chéquiers carrément. Plusieurs chéquiers, environ 3000 euros en espèces, en billets et un ordinateur portable. Le vol a été commis par deux jeunes, dont un bien connu des quartiers sensibles de la ville du port. Il a été vu par des témoins et a été clairement identifié. Là, on va demander aussi leur renfort parce que c'est un endroit assez chaud quand même. C'est une cité où ils sont assez nombreux, où les gens, on ne voit pas vraiment où ils peuvent arriver. C'est des bâtiments assez hauts et on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous tomber dessus à tout moment. Donc on préfère se méfier et prendre des précautions pour éviter tout risque d'accident ou tout risque que ça dérape, quoi, tout simplement. À La Réunion, comme en France métropolitaine, la gendarmerie est chargée des zones rurales et la police des zones urbaines. Le vol a été commis en zone gendarmerie, mais par des voleurs de zone police. Alors, ils vont demander l'aide au commissariat. Ils y rencontrent les policiers de la BAC, la brigade anti-criminalité qui connaît bien les quartiers sensibles. Je vous laisse voir avec les collègues. Hein. Ouais. Pour la fois, on les a contrôlés à 12h30 à la ZUP. Ouais, c'est ce qu'on disait là. Vous voulez qu'on vous accompagne, c'est ça ? Ouais, parce qu'on ne connaît pas trop. Je ne sais pas. Okay, on est parti. Le jeune recherché a été aperçu par les policiers quelques heures avant avec ses copains. Le responsable de la BAC, Jeff, les connaît bien. Donc très connus, c'est ça ? Ah, je ne sais pas s'ils sont très connus, en tout cas, ils sont connus. Et c'était quoi le contrôle de midi ? Bon, c'était un simple contrôle des jeunes dans un hall qui gênait un peu le passage des riverains. Pour rentrer dans le quartier sensible, il faut au minimum deux véhicules de gendarmerie et deux de police. Ici, le nombre fait la force et permet d'éviter tout débordement. La cité n'a qu'une issue, par un escalier. C'est un véritable coupe-gorge.
Madame, bonjour, c'est qui le responsable ? C'est le beau-père du jeune homme qui répond aux enquêteurs. Il n'est pas très à l'aise. C'est son papa, ce fils que vous avez dit là. Son papa, il a descendu pour moi. Il a amené son fils. Le jeune homme recherché n'est visiblement pas chez sa mère à cette heure-ci. Mais les forces de l'ordre vont quand même fouiller sa chambre à la recherche des objets volés. On va jeter un œil, monsieur. Vous allez me montrer où c'est. Bonjour. Alors, c'est où ? Et tout ça, ça appartient à qui, ça ? Tout ça, là ? Ça, c'est à vous, ça ? C'est à lui. Mais hey, vous me dites qu'il dort pas là, et puis il a tous ses vêtements ici. C'est à qui, ça ? Elle est à qui, celle-là ? Ça peut être à son papa. Hein ? Ça peut être à son papa, je pense. C'est peut-être ? Pochette d'ordi, il y en a, des pochettes d'ordi. Hein. Pochette d'ordinateur, console de jeux vidéo. Ici, beaucoup d'objets rangés dans des sacs laissent présumer qu'il ne s'agit pas d'effets personnels. Tout va être vérifié dans les moindres détails. Prends le numéro de série de photo. Tous les objets sont consignés. À partir de maintenant, l'étau se referme sur le jeune délinquant. À l'extérieur, les policiers quadrillent la zone pour éviter l'attroupement des jeunes des quartiers et éviter les débordements, phénomène fréquent dans les cités. Pour trouver le jeune homme, direction maintenant le lieu où il a été contrôlé le matin même par la BAC. Là encore, le quartier est sensible. Ici, on flambe les voitures pour un oui ou pour un non. Un véhicule brûlé. Ils ont enlevé tous les véhicules brûlés, maintenant il y en a encore. Il y en a un peu plus quand même. Ah, bon. Allez. Jeff vient de reconnaître le frère du délinquant. Il le met gentiment à l'écart. Puisqu'ils détiennent le frère, les gendarmes vont l'accompagner jusqu'au domicile de son père. Ils espèrent bien trouver le jeune voleur présumé. C'est chou blanc pour les gendarmes, mais le jeune homme est identifié. Son frère est prévenu, ses parents aussi. Il n'a plus le choix que de se rendre. T'as 14 ans, il fait des conneries. Le vieil appelle les gendarmes, moi. Ouais. Ok. Hmm. Comme ça, on n'a pas besoin de m'y aller là, faire machin. Il évite tout ça au cinéma, on connaît comment il est. De mon cause, donc le vieil vient, et puis il n'y a pas de problème. Il appelle la gendarmerie, il appelle à nous. De toute façon, on connaît, s'il ne vient pas. La manière d'aller, tôt ou tard. Où sont mon frère ? Pour m'entailler la vie ? C'est vraiment la morale. Ah non, mais c'est pas vrai. Moi, il me dirait, vous faites un petit peu la morale, comme ça, il comprend. OK ? L'effet des forces de l'ordre a visiblement fonctionné. Le jeune mineur se présentera quelques jours plus tard à la gendarmerie. Merci. Aujourd'hui, c'est jour de marché à Tananarive. La ville grouille de marchands en tout genre et de leurs acheteurs. C'est systématiquement le moment opportun pour les pickpockets et les voleurs à l'étalage d'opérer. Dans ces marchés, on dénombre au moins 2 à 3 vols par jour. Pour lutter contre ce type de délinquance, régulièrement, la police de Tananarive organise des missions spéciales. Comme aujourd'hui, il y a une reconnaissance réelle de tous les cas de vol à la tire et de vol à l'étalage, on est obligé d'appuyer les commissariats d'arrondissement. C'est une collaboration qu'on fait depuis quelques temps, tous les samedis et tous les jours de grand marché. Aujourd'hui, Liv, le chef de l'unité d'intervention rapide, va s'occuper personnellement de ce type de délinquance. Il va patrouiller avec une partie de ses hommes en civil, pendant que l'autre, sous les ordres du commandant Jocelyn, se tiendra à distance en tenue. Quand on fait une opération comme ça, on essaie vraiment de faire attention à notre façon de s'habiller, pour ne donner aucun indice laissant penser que nous sommes des flics. On essaie vraiment de se mélanger avec les petits marchands et les petits gars du marché. C'est important, parce que s'il y en a un qui est repéré, tout le monde est repéré. Ça va très vite. Ils ont des guetteurs un peu partout dans le marché. Ils sont bien affûtés pour repérer les policiers.
et c'est en toute discrétion que Liv pénètre dans le marché avec une demi-douzaine d'hommes en civil incognito. Pendant ce temps-là, Jocelyn quadrille les alentours du marché et pénètre dans les petites ruelles des bidonvilles. Jocelyn patrouille dans ce labyrinthe, car si un vol est commis au marché, c'est ici que le voleur viendra se réfugier. C'est ici aussi, dans les bidonvilles, qu'ont lieu les trafics de... Et la loi malgache ne plaisante pas avec ça. Alors à chaque occasion, c'est le contrôle. Ouais, c'est un simple contrôle. En train de chercher toujours du calme, quoi. Parce que dans les bars comme ça, ils emmènent, ils vendent. Subitement, après le contrôle dans le bar, un homme prend la fuite. Les hommes de Jocelyn lui emboîtent tout de suite le pas. Après quelques minutes, l'homme est rattrapé. Écarte les bras. Et son sac est fouillé. Bingo, ils vont trouver ce qu'ils cherchaient. Du papier qu'on emballe. Mais au même moment, Jocelyn reçoit un appel de Liv. Ils ont arrivé à en attraper deux pickpockets. C'est eux qui sont en tenue civile. Liv et ses hommes ont intercepté le jeune homme au pull blanc. En se répartissant en groupe de trois, son équipe a réussi à en attraper deux autres, des complices. Ils procèdent souvent en bande pour se protéger les uns les autres et surveiller que la police n'est pas dans le coin. Malheureusement pour eux, leur plan aujourd'hui n'a pas fonctionné. Ils sont immédiatement embarqués dans le pick-up, à l'abri de la foule, car elle peut se retourner violemment contre les voleurs. Qu'est-ce que vous avez volé ? Un pantalon, deux pantalons. C'est le jour du marché. Les voleurs ne choisissent pas quoi voler. Dès qu'ils trouvent quelque chose sans surveillance, ils l'embarquent. Même pour un simple pantalon, ici les voleurs vont être incarcérés et passés en jugement. Les autorités malgaches ont bien l'intention d'enrayer le fléau des vols à l'étalage. À La Réunion, avec l'augmentation de la délinquance et surtout des violences, une équipe de super gendarmes doit être opérationnelle 24 heures sur 24. Une antenne du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, s'entraîne sans relâche pour être au top niveau dans tous les domaines. On ressort, le bouclier vient se remettre juste en position ici avec un appui. Sébastien est chef d'unité. Deux fois par semaine, il s'entraîne avec ses hommes aux scénarios les plus difficiles pour neutraliser un danger, quel qu'il soit et où qu'il soit. On travaille dans les conditions dans lesquelles on intervient, donc au plus près de la réalité. Donc on met tout l'équipement, on s'habitue à tout, à la tenue ou pour des gants, et tout ce qui peut nous gêner en fait, pour que ça devienne une habitude. En fait. Appuie en place. Le premier exercice est un tir de précision de jour. Avec arme d'épaule en appui, l'objectif est atteint à coup sûr. Okay. L'arme d'épaule a pris la partie la plus large du torse de l'adversaire, donc on se centralise plutôt sur la main. Et au niveau du PA, l'arme d'appui courte s'est centralisée sur la partie pelvienne de l'adversaire. Mais plus difficile, l'intervention de nuit avec lunettes à intensificateur de lumière. Là encore, l'efficacité est redoutable. Après la séance de tir, le groupe va s'entraîner en conditions réelles sur une zone difficile d'accès, tenue par des terroristes. Le groupe intervient toujours cagoulé. En tant qu'unité d'élite, il doit impérativement garder l'anonymat
pour leur sécurité et celle de leur famille. En zone d'investigation, on va descendre par équipe de 3, toujours sous appui du deuxième hélicoptère, de manière à pouvoir investir une zone où il y a des personnes, des adversaires dangereux qui sont retranchés. Pour l'intervention, un hélicoptère va récupérer un groupe sur le toit d'un bâtiment et l'emmener sur site. Deux hélicoptères sont nécessaires au bon déroulement de l'opération. Un pour intervenir rapidement sur la zone et l'autre en appui pour couvrir le premier. Pour une intervention la plus rapide possible, les gendarmes vont descendre directement avec une corde lisse. Pour l'entraînement, les hommes disposent d'une copie conforme de leur arme de poing. Elles tirent des balles de peinture et sont de couleur rouge pour qu'il n'y ait aucune confusion lors des exercices. La France, depuis la vague d'attentats terroristes qu'elle a subie, renforce ses unités d'intervention sur tous ses territoires. Une mission confiée à Thierry, le commandant de l'antenne du GIGN. La menace terroriste sur la Réunion n'est pas forcément avérée. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de nous y préparer parce qu'il faudra le jour J pour répondre présent. Même sur une petite île comme celle de la Réunion, les autorités ne laissent rien au hasard quant à un scénario catastrophe de grande envergure. Et il s'y prépare avec acharnement. Au commissariat central de Tananarive, cet exercice physique obligatoire, ensemble et en cœur. Aujourd'hui, c'est une journée bien particulière. Liv et ses hommes sortent d'une formation continue pour améliorer leur technique d'interpellation. Parmi les policiers malgaches, un blanc. Il est français. Il est un ancien policier de la BAC, la brigade anticriminalité. Il faut que vous sachiez que c'est un programme qu'on passe en 7 mois et que là, les gens ont avalé ce programme en 3 semaines. Donc bien sûr, il y a des imperfections, mais vous avez devant vous des gens qui se sont donnés sans compter et se sont investis pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Jean-Michel Laigle est le formateur de cette session. Devant les autorités policières, l'unité d'intervention rapide va devoir faire une démonstration dans les règles de l'art. Garde à vous! Nous allons montrer ce que nous avons fait pendant ces 3 semaines. Soyez précis, allez-y! Premier groupe. On va voir défense sur les saisies et les poussées. Les autorités du pays ont décidé de redorer le blason d'une police parfois un peu trop portée sur la réplique armée. Les nouvelles consignes, neutraliser une agression à main nue. L'idée, c'est ça, c'est de redonner un second souffle et des pratiques professionnelles reconnues de tous. Hein, puisque donc, plus ces pratiques seront bien faites et elles seront dissuasives aussi vis-à-vis de la population délinquante. Hein, puisqu'ils donc travailleront des méthodes où ils mettront en avant d'abord la maîtrise, le verbe, plutôt que l'usage de la force. Donc ça, c'est privilégié. L'usage de la force, autrement dit l'usage des armes à feu. Pourtant, dans des cas de terrorisme, là encore, la formation avec des fusils d'assaut va s'avérer efficace. Pour Liv et ses hommes, elle a été courte et particulièrement intense.
La formation s'est bien passée. On était 36 à en sortir sur 40. Il y en a qui ont abandonné, il y en a qui se sont fait déboîter l'épaule. Mais en général, ça s'est bien passé. Une formation qui n'a pas été facile pour tout le monde, mais les échecs n'ont pas été nombreux. Oui, je suis fier, parce qu'on a vu de nouvelles choses. On a appris de nouvelles techniques. Et ce sont des choses dont nous avons besoin. Justement, parce que le temps évolue, l'époque évolue, et nous aussi, on a besoin d'évoluer. Donc oui, je suis très content de cette formation. Après les félicitations du jury, place maintenant à l'humour. Jean-Michel et Liv ont réservé une petite surprise aux autorités de Tananarive. Là, c'était quoi le scénario là ? Bah, c'est une femme qui sort de son véhicule et qui a une tentative de vol à l'arraché. Oui, piquer son sac. Donc là, volontairement, j'ai fait quelques techniques. Et donc, ils ont été interpellés. Ce qu'on veut montrer, c'est ce qu'ils font, eux. Donc c'était un thème, quoi. On a dit, on va finir sur l'humour. On va faire quelque chose qui va détendre l'atmosphère. Parce qu'on est aussi intelligent et que l'on veut... Et ça s'est très bien passé. Ce qui solde vraiment une scolarité et un stage cohésion, je dirais, sans faille. Sur l'île de la Réunion comme à Madagascar, les efforts des forces de l'ordre sont sans relâche. Pour éviter une escalade de la violence, les patrouilles tournent chaque jour sur le terrain et se forment aux interventions les plus difficiles. Dans les îles de l'océan Indien, la carte postale de ces deux destinations est ternie par la délinquance ordinaire. Une fatalité que n'a pas l'intention de laisser s'installer les patrouilles.